Bonjour tout le monde. Oh, ça y est, on y est. On est dans le Connemara et on est au parc national du Connemara. Bon, bah, dans le parc national, il n'y a pas de lac. Bon, bah, on va faire une petite randonnée. On vous tient au courant de la suite. Faut monter là-haut. Mais là-haut, c'est trop haut. Bon, je viens de faire tomber ma caméra par terre. Du coup, l'objectif est un petit peu fendu, peut-être. Voilà la vue qu'on voit pour notre étape du soir. C'est pas mal, hein? Alors aujourd'hui, journée des services. On vide les eaux grises. Et on fait le plein d'eau propre. Avec un petit tuyau. Nous sommes ici toujours sur la route de l'Atlantique et plus précisément au point de Derin Jimlad. C'est une tourbière et elle est l'un des milieux humides les plus magnifiques d'Europe. La tourbière possède une archéologie riche datant de plus de 6000 ans. Ici, c'est des champs de tourbe à perte de vue. Les Hollandais s'en servent pour se chauffer. Pour sécher les petites briquettes. Et après, ils les mettent dans leur foyer. Alors il faut savoir que le gouvernement essaie d'empêcher cette culture parce que c'est très très polluant. Mais les Irlandais, qui vivent de ça depuis très longtemps, qui se chauffent comme ça depuis très longtemps, s'élèvent contre cette interdiction. Mais elle a aussi une histoire moderne remarquable. Au début du XXe siècle, Derin Jimlad est au centre non pas d'une, mais de deux réalisations technologiques transatlantiques exceptionnelles qui marquent le début d'une ère de modernité. La première, c'est la transmission sans fil commerciale transatlantique. En effet, en 1907, le grand innovateur irlandais-italien Guglielmo Marconi combine la technologie de pointe et le sens des affaires pour réaliser la première transmission commerciale sans fil réussie à travers l'Atlantique depuis Derin Jimlad. Sa station de radio domine le paysage local de 1905 jusqu'à sa destruction partielle et sa fermeture pendant la guerre civile irlandaise de 1922 à 1923. «
La deuxième, le 15 juin 1919, deux aviateurs casse-cou, John Alcock et Arthur Winton Brown, remportent la première course pour effectuer le premier vol transatlantique sans escale. Partis de St. John's, Terre-Neuve, dans leur biplan Vickers Vimy, ils ont atterri dans la tourbière de Dering Grimblad 16h28 plus tard, ce qui en fait le premier site européen à se connecter directement avec l'Amérique du Nord par avion. La station Marconi diffuse alors la nouvelle de leur triomphe dans le monde. Vestige du bâtiment, tout ce qui était en bois a disparu. Donc il y avait les maisons des travailleurs. Et ça, c'est la maison de réception qui a été construite entre 1908 et 1909. C'est la maison dans laquelle Marconi et Frank Tigg ont tapé le message le 15 juin 1919. Et le pub, ils n'ont même pas gardé. Je suis sûre que s'ils l'avaient gardé, on aurait pu boire un coup. Voilà encore la tourbe. Ça y est, on vient de finir notre boucle. Donc elle fait 5 km, c'est accessible aux petits comme aux grands. C'est assez ludique, cette petite balade. La seule chose qui est regrettable, c'est qu'ils n'ont pas gardé les bâtiments. Ce ne sont que des ruines. Donc voilà, il est 15h. Le temps est toujours mitigé, il fait très lourd, très orageux. Donc maintenant, il va falloir chercher un endroit pour dormir.